pouvez rentrer avec elle. On va fermer la porte, vous laisse lui enlever son collier et sa laisse. Et puis sinon, on la mettra avec un copain ou une copine dans un box où ils seront deux. Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Oui. Et puis maintenant, bah voilà, il faut attendre que quelqu'un craque et puis peut-être la bénévole tout à l'heure. Donc vous inquiétez pas, on va lui installer une petite couverture pour qu'elle soit au mieux et pour remettre de l'eau dans sa gamelle. Voilà. Okay, allez-y, bien. Attention de ne pas glisser. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est un homme qui abandonne son chien. Il y a des gens qui rigolent quand ils viennent déposer leurs animaux, qui font des blagues, qui font une tapote sur l'épaule. Enfin, il y a un énorme détachement, donc c'est propre à chacun. On n'est pas là pour juger, nous on préfère que l'animal soit là, qu'il soit vendu sur le bon coin à n'importe qui ou attaché à un poteau, mais c'est un détachement. Les gens prennent, on n'a pas tous la même relation avec le chien, il y en a, c'est juste un chien. C'est parfois très dur de cacher notre colère. Il y a des gens sur qui on pourrait être en colère, oui, bien sûr. Il y a des gens qu'on peut comprendre sur certaines choses, ça c'est sûr. On essaye aussi de se mettre un peu à la place des gens, mais après, par contre, je ne comprendrais pas qu'on puisse abandonner. Ça, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à comprendre. Non, c'est vrai que c'est dur à vivre au quotidien. On a vraiment envie de faire changer les mentalités, quoi. Tous les jours, c'est le même rituel. Au bout d'une laisse ou dans un panier, des chiens et des chats sont abandonnés à la SPA de Rennes. 4 communautés de chats, 110 chiens, 11 salariés. Pour travailler ici, il faut avoir le cœur bien accroché. Les animaux peuvent autant les faire rire que les faire pleurer. Jennifer, pantalon recouvert de poils et sweat aux couleurs de l'association, est la responsable du refuge. Elle porte dans les bras un tout petit chaton, tout rond. Moi, je pense qu'on s'est tous déjà vu pleurer hein, ici. Moi, je dis toujours, le jour où je pleurerai plus, c'est que j'aurai plus cette sensibilité, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Pourquoi vous pleurez ? Souvent, parce que souvent la mort, hein, c'est malheureusement, ça arrive hein, qu'on ait des décès, et c'est ce qui nous fait, je pense, le plus de mal à chaque fois. Parce qu'on s'attache à eux, c'est un peu nos animaux, je pense qu'on est un peu leur maître de substitution en attendant d'avoir une vraie famille. Même si on essaie de leur offrir un maximum, c'est sûr que ça reste toujours un échec pour nous quand ils finissent leur vie chez nous. C'est un ascenseur émotionnel ce métier, et c'est très riche, voilà, il n'y a jamais une journée qui ressemble à l'autre. C'est eux qui rendent notre quotidien agréable aussi, mais ils nous le rendent aussi parfois difficile. Quand il y a beaucoup de soins à faire, qu'on a une surpopulation comme on a pu avoir là cet été, ça a été très très compliqué, on a eu énormément de chats. On ne savait plus où les mettre, les petits choux. Les cages de la SPA ne sont pas souvent vides. Les animaux sont adoptés plus ou moins vite. Parfois, ils trouvent une famille en 2 jours, parfois en 2 ans. Jennifer, par exemple, s'occupe depuis plus de 3 ans d'un chien qui s'appelle Rocky. Lui ne trouve pas de famille. Mais j'attends. C'est un chien qui revient de très 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 loin. C'est un chien qui avait fait des combats de chiens dans les caves, qui était très compliqué, que ce soit avec ses congénères et avec l'humain. Et aujourd'hui, si je peux dire que c'est un chaton, ouais, en tout cas c'est mon chaton. Je l'adore, on fait plein de choses ensemble. C'est un chien que j'emmène courir régulièrement, je fais du canicross avec lui. Et je vois, il s'entend super bien avec mon chien maintenant, chose qui aurait été impossible il y a quelques temps. Et lui, on va dire que c'est l'exemple du chien que tout chien peut changer. Et du coup, c'est devenu un chien, enfin, c'est un chien que j'aime limite autant que le mien, quoi. C'est très fusionnel. Mais bon, maintenant, il lui manque sa famille, quoi. Mmh. Lui, c'est sûr que le jour où il va partir, je vais pleurer. Mais je serai heureuse aussi. Pour tous, le but ultime est de faire adopter les animaux. Alors pour ça, il faut les soigner, les nourrir, les réparer. Les chats sont répartis entre différentes salles pour l'adoption et ceux malades sont dans des pièces spécifiques où ils peuvent recevoir des soins. Les salariés et le vétérinaire sont là, tous les jours, pour nettoyer les litières, donner à manger et leur faire avaler leurs comprimés. Ils ont l'air en forme, mais il y a juste le petit roux là qui est pas... Des fois, ils ont... Ils font en forme et puis au final... Mais bon, là ça a l'air d'aller quand même. Il a eu son petit traitement déjà. Donc c'est parti pour la pièce commune avec les copains.
Elle s'alimente a priori Bah comme elle est en pièce commune avec les c'est autres, trop, c'est pas trop. Mais après, elle a 43 dixièmes, donc il faut qu'on la mette sous antibiotiques et oui, sous anti-inflammatoires. Bah oui, voilà. Oui, au mieux. Je vais faire une ordonnance. On le voit qui était pas bien et qui mangeait plus, qui tremblait, nous on dit mais mon Dieu, mais on va pas le laisser comme ça. Hein, on va pas le laisser mourir quoi. Faut faire quelque chose. Donc après on l'isole vite, on l'a mis dans le côté soins et puis après on a commencé un peu de médicaments pour qu'il aille mieux. Puis après il a été vite voir le vétérinaire quoi. Et puis après quand il a vu que voilà ça allait pas bien, bah il a donné plein de médicaments pour que ça aille mieux. Et là maintenant ça va mieux quoi. Ils sont bizarres vos chats. Ouais. Hein. Et ils sont super sympas par contre. Il est un petit peu malade. Quand la chatterie est pleine, l'association fait appel à des familles d'accueil. Camille n'est pas partie en vacances cet été et a donc décidé de s'occuper de plusieurs petits chatons. Alors j'ai récupéré un chaton qui était en pleine forme, j'ai voulu le vermifuger, il était tellement parasité qu'il est malade. Et là on le maintient en vie en lui donnant des pipettes de pâté. Qu'est-ce qui lui arrive ? Pour moi, c'est la flore intestinale qui a pris une claque. Je l'ai amené deux fois chez le vétérinaire ce week-end, en urgence, deux fois. Et là, je vais faire la troisième fois ce soir. Donc c'est ma fille qui est en train de le garder, qui le maintient en vie. Je regrette de l'avoir pris parce que je ne veux pas que ça meure devant ma fille. C'est elle qui s'en occupe des chatons. Quand Camille est ensuite repassée à la SPA pour demander des conseils, elle avait peur qu'on lui en veuille, que ce soit de sa faute. Mais ils ne peuvent pas tous les soigner. Pour réparer les chiens, là, il y a aussi tout un travail d'éducation, voire de rééducation, qui est à faire, ce qui est d'autant plus compliqué. Jennifer, la responsable, a apporté dans le refuge ce qu'elle appelle l'éducation positive. Très bien. Tu laisses Kiki, tu laisses le pompier. Alors nous on travaille nos chiens au clicker, donc en fait c'est un petit petit gif et clic qui va capter les bons comportements du chien. Donc on se prend du temps, on sort, on a un peu de matériel, on va en extérieur et on met le chien en confiance avec des friandises, on va lui demander des choses. Voilà, le but c'est pas d'avoir des chiens de cirque, hein, loin de là. Et c'est des moments où nous on adore, on est hyper fiers de nos chiens quand on voit qu'on arrive à faire des choses à nos chiens. Eux ils ont envie de nous faire plaisir, donc il y a cette relation et c'est comme ça qu'on arrive à les travailler. Une rééducation indispensable quand on sait dans quelle situation les animaux sont parfois retrouvés. Jean-Claude est un bénévole de 63 ans. Lui, ses missions sont bien particulières. Il vérifie, intervient et enquête sur les maltraitances animales chez les particuliers, dans le cadre d'une adoption ou bien d'un signalement. Je savais qu'il y avait des gens qui les maltraitaient, mais je ne pensais pas à ce point-là. C'est énorme les gens qui les maltraitent. Vous êtes en colère contre ces gens-là ? Tout à fait, oui. Très en colère, oui. J'ai récupéré un chien qui avait été adopté ici, il le battait, et je l'ai fait pleurer, pour bien lui faire comprendre qu'il avait adopté ce chien-là à la SPA, et que c'était pas pour le taper. Je lui ai déjà dit, je vois que vous avez des enfants, j'ai dit, si vous tapez sur vos enfants comme ça, je lui ai dit, ça ne doit pas être triste. Et c'est là qu'il s'est mis à pleurer. C'est là que je lui ai dit, vous tapez sur vos enfants aussi. Il me dit non, quand même pas. Ben, je dis, pourquoi vous tapez sur cet animal-là? Alors je dis, maintenant, on va passer à la procédure d'enlever ce chien. Dont il a signé tout de suite, parce que je lui dis, sinon, je me déplace avec la Mela, ce sera avec la gendarmerie, et là, vous irez à la cité judiciaire dans quelques mois. Quoi. Je regarde où ça a été plus dur, oui, c'était où j'ai retiré 10 bichats à Saint-Jacques-de-la-Lande, d'un appartement. C'était infect. C'était énorme. De voir 18 chats dans un appartement. Il y a 3 semaines à Saint-Herblon, où on a retiré un chien avec la gendarmerie, là, par contre. Là, ça a été une réquisition, quoi, d'office, quoi. C'est-à-dire qu'on a ouvert la porte, parce que le propriétaire n'était pas là. Et il n'aurait jamais ouvert, d'ailleurs. Et le chien vivait Dans ses excréments, sur une épaisseur de 10 cm dans l'appartement. Vous voyez, cette année, moi, je dois être rendu à 17 chiens que j'ai enlevés. Pour moi, c'est vrai que c'est pas facile non plus. Mais il faut essayer de ne pas le faire voir. Pas facile, c'est-à-dire de retirer un animal de chez quelqu'un qui l'a eu déjà il y a des années.
lui l'enlever, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. Mais il faut trouver cette solution-là. Une solution indispensable pour le bien-être des animaux. Morgane, elle, n'est salariée à la SPA que depuis quelques mois. Et les animaux la font passer par toutes les émotions. On s'est donné du mal pour qu'ils guérissent. Et que des fois, on les voit en train de... qu'ils dépérissent et qu'ils mangent plus, ils boivent plus. Et puis après, ça y est, ils ont mieux. On les remet à l'adoption et paf, ils partent. On s'attache parce qu'on se dit, oh, allez, il faut que tu survives. Et puis en même temps, on est content parce qu'ils sont partis justement dans une nouvelle famille qui sont peut-être bien mieux que celles qu'ils avaient avant, quoi. Donc c'est pour ça, c'est... des fois, c'est pas facile. C'est vraiment les deux émotions, quoi. C'est... on est content, on est triste parce qu'on s'est attaché. Et en même temps, on est content parce que... Les larmes et les joies de la SPA. Un reportage réalisé au Refuge de Rennes par Hugo Chesinski pour le mur des podcasts de West France. Retrouvez nos autres productions sur toutes vos applications de podcasts et sur le site de West France.